Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand jeu d'Halloween. Venez à bout de toutes les énigmes pour arriver à la grande énigme de ce jeu. Celle qui fera de cette journée spéciale un moment inoubliable. Le but ? Vous allez devoir trouver les réponses à toutes les énigmes qui seront proposées par mes présentateurs et vous devrez remplir le formulaire qui vous est donné en description. Qui sait ? Ça pourrait qu'il y ait peut-être 500 starcoins à la clé. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous ? Alors, c'est parti ! Bienvenue, chers téléspectateurs. Je suis honorée d'être la première personne à te remettre une énigme. Pour réussir cette énigme, il faut ouvrir l'œil et prêter attention aux moindres détails. Es-tu prêt à commencer? Bien, voici la règle. Un certain nombre de personnes vont passer sur ton écran. À la fin du décompte, tu devras me dire le nombre exact de personnes qui sont passées. Attention, ne triche pas. Certaines personnes passeront plusieurs fois, alors fais attention de ne pas les compter dans le décompte. Bon, très bien. Sur le formulaire, tu auras plusieurs choix de réponses. Sers-toi de mon cadeau à bon escient, humaine. Attention, libérez mes esclaves! Très bien, ta réponse a été enregistrée avec succès, très cher. Bien joué. Passons maintenant au mini-jeu suivant. Regardez qui voilà. Quelle affreuse tête. Je vais te refaire une petite coiffure, tiens. Bien mieux, face d'huître. Tu es assez moche à présent pour que je te présente mon énigme. Je vais te poser 5 questions. Et au lieu de me regarder avec ta mine d'asperge comme tu le fais actuellement, n'oublie pas d'aller valider tes réponses sur le formulaire. Bah ouais, tu vas aussi bosser vu que je me suis donné corps et âme pour ce quiz à la noix. Et attention, pour certaines réponses, quelques recherches seront nécessaires. Bien, 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 prépare tes petites oreilles, ma laideur préférée. On est parti! Première question, quelle race de cheval est apparue à Jorvik en 2018? Est-ce que c'est le Clydesdale, le Percheron ou est-ce que c'est le Halflinger? Deuxième question. Comment s'appelait le tailleur de Silverglade avant son changement de nom? Daxton, Harold ou bien Donald? Question numéro 3.
Quelle est la limite de Starcoins? 10 000? 90 000? Ou bien est-ce qu'il n'y en a aucune? Quatrième question. Quel est le nom du cavalier sans tête qui hante Jorvik à Halloween? Le galopeur Harrington, le galopeur magique ou bien le galopeur Thompson? Cinquième et dernière question. Quel Soul Rider est né en novembre? Lisa Peterson, Alex Loudmill ou bien Anne Van Bleessen? Bon, t'as tout validé, j'espère. T'as intérêt, tu m'as bien fatigué. Allez, je vais aller dormir, tu devrais faire de même. Hein? Des Starcoins? Tu veux des Starcoins? Quelle horreur! Je préfère me substanter d'yeux et de doigts humains, c'est bien plus appétissant que cette baliverne. Allez, prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue, jeune saleté! Quoi? Je déteste le sort de licorne, je te l'ai déjà dit! Je ne veux plus te voir, je veux du... Oh, tu es là. Bien, dans ce cas, va me chercher du jus de boue séché. Et psst. Tout s'est bien passé avec mon Rora, j'imagine. Il ne mâche pas ses mots, comme on dit. Bien, ce n'est pas que je me lasse de toi, mais un peu quand même. File voir la prochaine personne qui te donnera la troisième énigme. Et des poudres de perlimpinpin, un peu de souffle de désespoir. Et attention! Ce n'est pas le résultat attendu. Hein? Qui es-tu, misérable moldu? Quoi? Miranda t'a envoyé? Quelle pustule celle-ci! Bien, je vais te donner mon énigme, qui est de loin la plus miraculesque de toutes. Comment ça, mon mot n'existe pas? Je te demande si ton intelligence existe, toi? Jeune insolente! Mon énigme s'appelle la blind citrouille. Non, je ne vais pas blinder une citrouille espèce de marabout. Je vais te faire écouter des musiques et tu dois me dire où tu les entends à Jorvik, ok? T'as pas l'air bien intelligent comme espèce, mais bon, commençons. Quoi? Pourquoi tu cries? Oh, Ursula, je t'ai dit de pas venir sur les gens comme ça. Je ne peux pas être en paix, c'est un comble. Tu me le paieras, Miranda. Tu peux entendre cette musique en te baladant dans Pandoria, en faisant une course à Sudoven, pendant le Soul Riding. Tu peux entendre cette musique à Morland, en faisant une course, en faisant une mission. Round 3. Tu peux entendre cette musique dans une vallée automnale, dans une vallée recluse de Jorvik, dans le centre de Jorvik. Round 4.
pas entendre cette musique. Pendant des événements temporaires, à la discothèque, dans certains restaurants. Final round. Tu peux entendre cette musique en faisant une course, à la fin d'un championnat, en te baladant à Golden Hills. Note bien tes réponses sur ton formulaire truc là. C'est écrit sur mon grimoire que tu ne dois pas oublier. Allez, dégarpille d'ici, vieille marmite rouillée. Excusez-moi, Miranda est... partie prendre l'air. Oh, ok. Je vais donc te donner la prochaine énigme, vu que c'était à elle de le faire. L'énigme que je dois te présenter est bonus. Ça s'appelle Fée Danse. En gros, tu devras claquer des doigts à chaque fois que le cercle entre dans la zone, et comme par magie, ton personnage va danser tout seul. Trop bien, hein? Ouais, je sais. Vas-y, essaye. Plus du bec? Qu'est-ce que tu fais? Plus du bec, je t'avais dit d'arrêter avec tes mauvaises blagues quand je ne suis pas là. On peut même plus faire pipi tranquille. Tu vas bien vite. Excuse mon assistante. Elle a du mal avec l'ordre. Ce sera réglé d'ici peu. Attention, ceci est l'avant-dernière énigme et c'est la dernière énigme que tu devras remplir dans le formulaire. Alors sois prudente. Je te laisse avec mon dernier assistant. Bien le bonsoir, jeune fille. Ta mine m'est familière. Ne serais-tu pas de la famille des puanteurs, toi aussi? Non? Dommage. Mon énigme est simple. Je vais te donner des énigmes. Voilà, c'est tout. Bref, cesse de gigoter et de marmonner dans ta barbe. Je sais que tu n'en as pas, et je me fiche guère de le savoir. Bien, écoute-moi. Je vais te donner trois énigmes. Trouve le nom ou le mot qui correspond à chaque énigme. Et non, je ne suis pas ma collègue Miranda, je ne te donnerai certainement pas la réponse. Tu devras remplir le mot de passe par toi-même dans le formulaire. Et ouais, prends-toi ça dans les dents, Commençons. Énigme 1. Je suis une Soul Rider. Mon père travaillait sur une plateforme pétrolière avant d'ouvrir son propre ranch à Yorvik. Mon cheval s'appelle Starshine. Qui suis-je? Énigme 2. Je suis un lieu. Un lieu entre deux mondes. Des animaux volants y vivent, et ma couleur principale est le violet. Qui suis-je? Énigme 3. Je suis un PNJ. Je suis le propriétaire de l'écurie Mourlande. Qui suis-je? Tu as bien tout trouvé? Sois sûr avant de confirmer. Hasta la vista, baby! Alors, comment ça a été avec mon assistant? Bien? Bon, ravi de le savoir. Alors, il est temps pour toi de valider le formulaire. N'oublie pas de le faire si tu ne veux pas perdre l'opportunité de participer au tirage au sort d'Halloween qui, je le rappelle, pourrait te donner 500 Star Coins. Il aura lieu début novembre, donc tu as encore le temps, ma vieille. Bon, il est l'heure.
Cette énigme, c'est moi qui vais te la donner. C'est la dernière de ce grand jeu d'Halloween. Et oui, il touche bientôt à sa fin. Elle n'est pas dans le formulaire, mais tu pourrais bien avoir une bonne surprise si tu réussis. Attention, le résultat de cette énigme n'est valable que le jour de sa publication, soit le 31 octobre. Je vais t'afficher un rébus, à toi de le déchiffrer. Le reste, je te laisse gérer. Allez, bon courage! Alors, trouvé? Au fait, la réponse sera dans la description de la vidéo si tu ne trouves pas. Mais essaie de chercher par toi-même un peu. Feignasse. Bravo à toi pour avoir accompli ce grand jeu avec nous. On s'est beaucoup amusé et on espère que toi aussi. On se reverra peut-être l'an prochain. Aïe, amuse-toi bien ce soir. Ciao!